Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit vlog de week-end. Donc on est vendredi soir, Simon et moi on est allé au Costco, puis j'ai pensé vous montrer ce qu'on a acheté au Costco. On a acheté quand même pas mal de choses. D'habitude on y va à peu près aux 2-3 mois, là. On va un petit peu plus souvent là, vu qu'on est à la maison, on a comme plus de rangement, puis on a un congélateur aussi au sol, fait que pour ça c'est vraiment pratique. Puis c'est ça, on rachète un peu ce qu'on a besoin, certains produits là, qu'on rachète de fois en fois, puis on regarde aussi les spéciaux, puis les produits, les nouveautés, puis tout ça. Puis j'aime vraiment ça regarder des hauls Costco, là. J'ai regardé, c'est Myriam, elle fait souvent des hauls Costco, puis d'ailleurs il y a un produit bâton rouge qu'elle a parlé souvent dans ses hauls, puis là, ça m'a donné le goût de l'acheter, donc je vais vous montrer mes achats. Puis après ça, mais on va se revoir demain. Demain, je vais filmer pendant ma journée. Demain, c'est samedi. Fait que j'ai un brunch de prévu chez ma mère, avec ma soeur. Puis après ça, mais je pense que je vais aller faire une petite épicerie pour la semaine. Je vais vous parler un peu de mes repas. Peut-être que ça peut vous donner des idées de recettes. Je vais vous mettre ça aussi en barre d'infos. J'aime vraiment ça, faire ça, là, vous parler un peu du menu de la semaine. Sinon, j'ai le goût aussi d'aller au Dollarama, voir les nouveautés pour l'été. Puis j'ai fait une petite liste aussi de petits trucs qui me manquent. Puis, j'aime beaucoup écouter les vlogs de Simplement Ariane. Je vais mettre sa chaîne en barre d'infos. Là, je vous en ai déjà parlé, je pense. Mais elle fait souvent des hauls Dollarama. Puis là, ça m'a donné le goût d'aller regarder un peu les nouveautés. Puis, jeter un petit coup d'œil. Donc là, je vais vous montrer. Ah, puis aussi, demain, on va cuisiner ensemble le souper. Fait que c'est un petit peu un vlog là, de haul. Puis de cuisine. Fait que j'espère que ça va vous plaire. Donc là, je vous montre mes achats du Costco. Donc je commence avec les trucs qui vont au frigo, au congélateur pour pouvoir les ranger au fur et à mesure, garder ça frais. J'ai racheté les dumplings à la vapeur, ils sont tellement bons, je les achète souvent là, quand on en a plus, on les garde au congélateur. C'est 6 petites barquettes qu'on peut mettre au micro-ondes, je pense que c'est comme 1 minute et demie, puis c'est prêt, puis il y a une petite sauce qui vient avec, c'est vraiment bon, puis pour des lunchs là, souvent je trouve que ça dépanne bien. On s'est pris un petit fromage ferme, fromagerie Bergeron. Qui est fumé, qu'on aime beaucoup, donc deux fromages comme ça qu'on va pouvoir le garder fermé, fait que ça va se garder quand même un petit bout. J'ai repris des petits puddings au riz, ils sont vraiment bons, sont emballés individuellement, fait que pour des lunchs c'est super, puis pour des collations aussi ou en dessert, là, ça fait un petit sucré, c'est vraiment bon. La fameuse salade de choux cornichon à la nette, crémeuse, donc je l'achète à chaque fois que je vais au Costco. Ils ont d'autres sortes aussi, mais celle-là j'aime vraiment beaucoup, elle vient en paquet de 2. Puis il y a plein de petits sachets qu'on rajoute dedans, puis elle est vraiment bonne. Ça, j'ai découvert ça l'autre fois, c'est ma belle-mère là, qui avait acheté des trucs de Costco, là, puis je les ai trouvées vraiment bonnes. C'est des brochettes de poulet grillées et assaisonnées de style méditerranéenne. Donc c'est 2 paquets comme ça, je pense que c'est comme 16$, puis c'est des brochettes de poulet, elles sont déjà prêtes, déjà cuites. Sont vraiment bonnes honnêtement, elles sont super tendres, puis la dernière fois j'ai aimé ça les garder congelées, juste les dégeler rapidement, puis faire une recette avec. La semaine passée j'avais fait des pâtes, puis j'avais rajouté ça dans la sauce, c'était vraiment bon. Là cette semaine j'ai le goût de faire un petit bol grec, donc vous pourriez mettre du riz au fond, mais moi j'aime bien faire un petit fond avec de l'orzo, mettre des morceaux de poulet, soit des hautes cuisses de poulet que je vais cuire, ou là justement des petits morceaux de poulet déjà cuits. Souvent j'aime ça racheter des petits concombres, des fois un peu de laitue, des olives noires, du fromage feta émietté, puis je mets un peu de sauce tzatziki pour manger tout ça ensemble, c'est super bon. Ensuite un autre truc que j'ai découvert dans ma belle famille, c'est des sorbets qui sont dans des coquilles comme ça de fruits, c'est tellement bon honnêtement, il y a plein de sortes différentes. Il y en a 3 au citron, 3 grenades, 3 2 baies rubis, puis 2 pina colada. C'est super bon, des petits sorbets emballés individuellement, puis ça fait vraiment une belle présentation vu que c'est comme tout dans les fruits, là, servi comme ça, puis c'est vraiment bon, là, fait que pour l'été, là, ça va être super. Ensuite, on a repris ces frites-là, Cavendish, qui étaient en spécial, donc des petites frites toutes minces, là, qui fait penser un peu au McDo. Donc j'ai rangé ça au froid. Quand j'ai fait le lit cette semaine, j'ai vu qu'il y avait un de nos draps, en fait le recouvre-matelas, qui était déchiré. Fait que je l'ai jeté, puis là, il nous reste juste un kit de lit qu'on avait acheté au Kia. Il y a comme 4-5 ans de ça. Puis, dans le fond, nos deux kits de draps venaient de là-bas. Puis, on les avait payés pas cher, ça avait fait la job. Mais là, comme il nous en restait juste un, bien, on s'est dit qu'on allait regarder au Costco. Donc là, on a vu qu'il y avait un kit de draps pour Lee King. Donc, le recouvre-matelas, le drap, puis 4 têtes d'oreiller. Il y avait différentes couleurs. Là. Il y avait, je pense, un gris, un beige, genre de bleu pâle aussi, mais là j'ai pris blanc, on n'avait pas de drap blanc, là, fait que
Je crois que ça allait faire différent. Puis, ils ont l'air vraiment doux, honnêtement, là, comparé à ce qu'on avait. Fait que j'ai vraiment hâte de les laver puis de les mettre sur le lit. Ensuite, j'ai repris du sel. On en avait quasiment plus. Puis, c'est vraiment pas cher au Costco. J'ai pris un énorme contenant de cornichons. J'aime full ça. Puis, là, ça faisait un petit bout qu'on n'avait pas dans le frigidaire. Fait qu'on a acheté un gros contenant. Notre sauce préférée, donc, c'est la délice d'autrefois. Sauce à la viande style maison. Elle est pas chère au Costco, là, je pense que c'est comme 9$ pour 3 pots. Puis je trouve que ça dépend là, quand on est pressé ou qu'on n'a pas décongelé quelque chose. On n'a rien pour le souper là, pour faire des pâtes. J'ai trouvé d'autres trucs qui vont au frigo au congélateur, fait que je vais les mettre tout de suite. Mais c'est dans le fond, c'est Myriam qui m'a influencée à acheter ça. Dans ces halls d'épicerie là, que je vous parlais, qu'elle montrait ça. C'est de bâton rouge, c'est 4 bavettes de bœuf assaisonnées. Je les avais déjà achetés au métro, mais là je trouvais que ça valait la peine quand même de les acheter au Costco. Je me souviens qu'ils étaient vraiment bonnes. C'est congelé, fait que ça se dégèle super facilement, puis ça se cuit super facilement vu que c'est de la bavette de bœuf. Elle est déjà marinée, puis elle est vraiment bonne. Sinon ici j'ai un gros bloc de fromage, fromage fort, qu'on va pouvoir utiliser dans les prochains jours. On aime beaucoup acheter notre café au Costco. Café en grains, ça nous dure longtemps, on met ça dans le coin café, puis on en a pour plusieurs mois. Donc là, on a essayé celui-là. On ne l'avait jamais essayé, puis c'est comme un plus gros format. Il revenait moins cher là, pour le prix, tout ça, c'était intéressant. C'est comme, ça dit la force, c'est 4/5, donc c'est quand même assez... aromatique, velouté, intense, c'est ça. Donc quand même intense comme café. On aime ça vu qu'on se fait des lattés, de prendre quelque chose d'un petit peu plus intense, là, vu qu'on va racheter du lait, là, comme ça, ça fait quand même un café qui a un bon goût. Ensuite, j'ai pris du poivre moulu, il m'en restait quasiment plus. J'ai pris aussi de l'ail granulé, comme ça, que j'avais acheté l'autre fois, que j'avais trouvé vraiment bon, puis il m'en restait plus beaucoup. Puis de l'oignon granulé, j'aime vraiment ça, là, mettre ça sur ma viande quand je la cuis, de la viande hachée par exemple. Je trouve que ça fait un bon petit goût. L'huile d'olive, on l'achète toujours au Costco, en gros format, ça revient moins cher, donc je prends toujours là, celle qui est en spécial ou la moins dispendieuse. Ensuite, on a pris un gros paquet comme ça de pâtes, donc il y a 6 petits paquets à l'intérieur avec des pâtes courtes là, de différentes sortes. Sinon, c'est pris du pain au raisin, donc on va pouvoir en congeler là, pour les déjeuners. J'ai repris des Ziploc congélation, donc il m'en restait quasiment plus, puis je trouve ça vraiment pratique. J'ai repris des cannes de tomates en dés, c'est toujours pratique là, quand je cuisine, donc j'en garde quelques-unes dans le garde-manger, puis sinon j'en mets aussi au sous-sol. Donc quand je vois qu'il m'en manque un petit peu, là, j'en rachète au Costco. On a pris une grosse caisse de Corona, c'est vraiment lourd. Donc des bières là, légères en canette pour l'été, ça va être parfait quand on reçoit. C'est vraiment le fun là, à avoir sous la main. On a acheté du Clamato, je me souvenais pas qu'il venait en paquet de 4 par contre. Là. Dans ma tête, ça venait en paquet de 2, mais on aime vraiment ça pour se faire des Bloody Scissors. Quand on reçoit ou juste pour Simon et moi la fin de semaine. J'achète toujours mon déodorisant au Costco, donc le Dove, ça revient pas mal moins cher. Ensuite, on a pris des ampoules pour dans notre salle de bain. Un petit peu plate comme achat, mais des détecteurs de fumée, donc on voulait changer ceux qu'on a ici à la maison. Et finalement, on a pris un gros paquet de Bubbly, donc c'est vraiment le fun au Costco. Il y a comme deux paquets différents avec... différentes saveurs à l'intérieur, donc on a pris celle-là, c'est fraise, pamplemousse et lime. Sinon l'autre paquet c'est, je pense que c'est orange, mûre et cerise. Puis sinon on a aussi acheté des essuie-tout et des Kleenex, mais ça fait le tour de tous nos achats au Costco. On a acheté vraiment beaucoup de choses, mais ça va nous durer pour un bon bout de temps. Donc là je pense que je vais aller me prendre un petit sorbet, on va écouter un film, on va se relaxer, puis on va se revoir demain matin pour le brunch. Thank you.
je vous avais pas parlé encore aujourd'hui. On est samedi, il est rendu 1h50, donc je suis retournée à la maison. Je reviens du brunch chez ma mère, c'était vraiment le fun avec ma soeur. On a mangé un beau petit déjeuner. Puis là, c'est ça, je suis revenue à la maison, je vais aller faire mon épicerie. Je vais vous montrer tout ça. Puis avant ça, j'aimerais ça aller au Dollarama. Je pense, je sais pas si je me souviens plus qu'est-ce que j'ai dit dans l'intro, mais c'est ça, j'ai écouté, je pense que je l'ai mentionné, là, les vlogs de Simplement Ariane, que j'aime beaucoup suivre sur Instagram, puis sur YouTube, puis souvent fait des hauls Dollarama. Fait que ça m'a vraiment donné le goût d'aller voir un peu qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté. J'ai des petits trucs à acheter aussi, je pense que je vous ai déjà tout raconté ça. Fait qu'on va aller au Dollarama, on va voir qu'est-ce qu'il y a de nouveau, puis on va aller aussi à l'épicerie. Thank you.
juste revenue à la maison. Il fait vraiment chaud aujourd'hui, là, ce week-end. Il fait super beau. Ça fait du bien. Je me suis changée en shirt pour être plus confortable. Et je vous montre mes achats que j'ai fait au métro et au Dollo. Au Dollarama, moi, je suis vraiment contente. Il y avait quand même des nouveautés, des trucs que j'avais pas vu avant. Puis j'ai fait des belles petites trouvailles. Fait que je vais vous montrer ça. Puis je vais vous parler aussi un peu de mon menu de la semaine. Donc à l'épicerie, je vais souvent avec les spéciaux. Fait que j'ai pris carottes et champignons. C'était deux pour... quelques, je me souviens plus, deux pour deux et quelques, quelque chose comme ça. Comme fruit, j'ai pris des oranges. Comme ça. J'ai pris du céleri. Il n'était pas spécial celui-là, mais j'ai le goût de faire une salade de pâte avec du céleri, des cubes de fromage, puis du jambon. Parce que j'ai vu que le jambon était en spécial cette semaine, donc j'aime bien faire cette petite salade de pâte-là, c'est rapide. Puis pour les lunchs aussi, c'est vraiment le fun. J'ai pris des oignons frits croustillants. C'est la première fois que j'achète ça, mais ce soir j'ai le goût qu'on se fasse un petit tartare de saumon. J'ai vu une recette de 3 fois par jour, puis ça m'a donné le goût. Une recette que j'ai jamais essayée, puis elle met, je pense, c'est de la mayonnaise, des épices à steak dans son tartare, des petits morceaux de cornichons sucrés, puis des petits oignons frits comme ça croustillants, puis elle en met aussi sur le dessus. Fait que je pense que ça va être vraiment bon. Je vais faire j'ai une baguette de pain déjà à la maison, fait que je vais trancher ça finement avec un peu d'huile d'olive, sel, poivre. On va mettre ça dans le four pour se faire des genre de petits pains croustillants pour le tartare. Puis je pense qu'on va prendre une petite salade de choux qu'on a acheté au Costco là, cornichons à la nette avec ça. Fait que je pense que ça va être vraiment bon comme petit souper ce soir là. Il fait beau en plus là, fait que ça fait un petit souper d'été. Ensuite j'ai pris deux contenants de tzatziki. Donc je pense que hier je vous en ai parlé. Je vais faire des petits bols grecs avec du poulet et de la tzatziki. Pour ce soir j'avais le goût de manger de la petite sauce comme ça au fromage. Salsa con queso, des fois j'en achète, c'est un petit peu épicé, c'est bon. Puis j'ai acheté aussi des Tostitos, donc ce soir avec un petit film, là, ça va être le fun. J'ai repris du lait 1%, comme toujours, pour noter nos cafés cette semaine. Le brocoli était en spécial, je me suis dit peut-être une petite salade de brocoli, me semble que ce serait le fun, ce serait frais là, avec un souper cette semaine. J'ai pris des olives Kalamata dénoyautées, c'est tellement bon, puis je vais mettre ça dans mon bol grec. Des feuilles d'origan, il m'en restait quasiment plus. Et j'ai pris 3 bananes, donc des fois pour des collations, des déjeuners, ou bien dans des smoothies, là, j'aime toujours ça. Mes chips Tostitos, j'aime bien les rondes là, pour manger avec la petite sauce au fromage. Ensuite, toujours des trucs en spéciaux, j'ai pris 2 concombres, donc j'aime ça faire ça avec ben, juste en crudité avec une trempette. Pour les lunchs, c'est vraiment rapide, ou sinon, ben, c'est sûr que je vais en mettre dans mes bols grecs cette semaine. D'ailleurs, j'ai vraiment hâte de manger ça. Sinon, j'ai pris du saumon comme ça congelé pour tartare et poké. Donc, pour notre petit tartare de ce soir. J'ai pris du fromage feta, juste un petit contenant pour mettre dans mes bols grecs. Le jambon était en spécial, donc pour ma petite salade de macaroni. J'ai pris des petits sachets comme ça à l'oignon. Donc, j'aime ça faire ça avec une crème sûre, là, mayonnaise pour faire une petite trempette rapide. Sinon, j'aime vraiment ça faire des petites patates coupées là, en cubes avec un peu d'huile d'olive. Je mets un sachet comme ça de mélange à l'oignon, puis je mets ça dans l'air fryer, puis je regarde quand les patates sont prêtes, mais ça fait un petit croustillant, puis ça donne beaucoup de goût, c'est vraiment bon. Les ailes de poulet, la cage était en spécial, donc j'ai pris la sorte buffalo. J'ai pris des petits cornichons sucrés pour le tartare de ce soir, et j'ai pris des yogourts, donc je prends toujours celui qui est en spécial, là. Fait que l'irrésistible crémeux 0%. Puis il y a fraise rhubarbe, framboise, vanille et pêche. Et dernier sac pour l'épicerie. À la caisse, j'aime ça regarder les petits formats de chips. Là, des fois, je vois des sortes que j'ai jamais goûtées. Donc là, c'est des saveurs de l'Inde avec les chips Lay's. C'est masala magique. Fait que j'ai jamais goûté à ça. Là. J'aime ça essayer des nouvelles saveurs. Ça dit juste que c'est épicé, évidemment. Mais en tout cas, j'ai hâte de goûter. Ensuite, ça j'avais vu ça dans un vlog de, je pense que c'était les vlogs de Mylène. Je vais vous mettre sa chaîne aussi en barre d'infos. J'aime full ses vlogs honnêtement, elle a vraiment une belle énergie. Puis il me semble qu'elle se faisait des Bloody Caesar avec ça. Puis j'ai acheté ça l'autre fois puis c'est vraiment bon là. Fait que là j'en ai racheté, c'est des haricots marinés. Fait que ça ressemble à ça ici. Donc c'est style cornichon là, tu sais, mariné, mais des haricots. Puis ils sont vraiment bons là, tu peux mettre ça justement dans des Bloody Caesar, fait que je me fais un petit rebord là avec les épices, puis je mets ça dans le drink, c'est super bon. Et il me restait plus d'oignons, fait que j'en ai racheté, puis j'aime toujours ça acheter de temps en temps du bobli. Donc là j'ai pris le bobli ananas,
Ça faisait un petit bout de temps là, que j'en avais acheté de cette saveur-là. Puis j'aime beaucoup la sorte quand j'étais allée aux États-Unis. Là, c'était noix de coco et ananas. C'était tellement bon. J'aime beaucoup les trucs à la noix de coco. Puis on n'a pas cette saveur-là ici. Fait que c'est sûr que quand je vais retourner aux États-Unis, je vais en racheter. Mais là, je sais pas, ça m'a donné le goût là, de prendre celle à l'ananas. Fait que je vous montre maintenant ce que j'ai acheté au Dolo. Comme je vous dis, j'ai fait des belles trouvailles. J'ai pris vraiment mon temps à faire toutes les allées, regarder un peu les nouveautés et tout. Quand je magasinais, j'ai envoyé des photos à mes sœurs parce que je trouvais que les tasses étaient vraiment belles. Fait qu'il y a deux de mes sœurs qui étaient comme « Oh my god, je vais essayer de les retrouver à mon Dolo. » J'étais comme « Oh, mais je peux te les acheter. » Fait que je leur ai acheté. Fait que pour une de mes sœurs, j'ai pris la tasse verte pastel, comme ça ici. Puis je les avais vus en vidéo, là, je me souviens plus c'est qui les avait montrés, là, mais j'ai trouvé super mignonne. Et puis pour mon autre sœur, elle voulait toutes les couleurs. Fait que j'ai pris, il y a la bleue, comme ça ici. Paraît, c'est un petit peu plus pâle là, en caméra, vu que je suis comme à côté de la fenêtre, là, il y a comme plus de lumière. La mauve pâle. La rose est un petit peu plus foncée que les autres. Qui ressemble à ça. Il y a une genre de jaune pâle, un peu beige. Comme ça ici, puis la verte, donc la verte comme pour mon autre sœur, fait qu'elle ressemble à ça ici. Moi je me suis pas acheté de tasse, j'en ai tellement, mais j'ai trouvé super mignonne. Sinon, toujours dans le coin vaisselle, il y avait des super beaux bols, fait que j'en ai pris 4 différents. J'aime ça avoir des trucs dépareillés, beaucoup de couleurs puis tout ça là, fait que j'ai pris le noir, c'est comme des bols, je vais les déposer là. Des bols quand même gros là, tu sais, pour style manger un bol de céréales, mettons, là. Ou pour mettre des ingrédients, mettons, là, sur la table, quand on fait un petit souper avec des trucs à grignoter. J'ai pris celle-là que je trouvais super beau, là, le motif à l'extérieur, comme ça ici. Un autre bleu, comme ça. Puis un autre noir avec des motifs comme ça ici. Si vous cherchez de la belle vaisselle, il y en a au de l'eau. Puis j'ai même hésité, au début j'avais pris... le bol rose puis le bol vert, je pense que je les ai filmés là, que j'ai trouvé beau aussi, mais quand j'ai vu celui-là, je me suis dit, ah, celui-là, t'en as comme plus. Puis ils vont très bien ensemble. Ensuite, j'aime toujours ça, avoir du papier cadeau, des sacs cadeaux pour quand on a des anniversaires. Puis je trouvais que celui-là était tellement mignon. Il y en avait d'autres aussi avec des fleurs, mais celui-là, il y a comme un... Mais premièrement, il y a des fleurs, il y a des papillons, puis il y a comme un petit fond vert pâle, là. Fait que je le trouvais super mignon. Il fait un peu vintage, je trouve, là, le motif de fleurs puis tout ça là. Puis je trouvais que c'est le genre de papier cadeau qu'on pourrait retrouver mettons au HomeSense là, fait que je trouvais vraiment vraiment beau. Il y en avait d'autres des beaux, mais celui-là c'était vraiment mon coup de cœur. Puis c'est juste 2,50. Je sais que souvent le papier cadeau là du de l'eau, il est comme plus transparent, puis il est comme facile à déchirer là même. Fait qu'il faut faire attention. Mais je me suis dit que, me semble, pour la fête des mères, ce serait vraiment un beau papier cadeau. Ensuite, j'avais besoin de nouvelles mitaines de four. Celles qu'on a sont en tissu, puis elles sont vraiment maganées. Honnêtement, ça fait longtemps que je les ai. J'avais le goût de les changer, puis j'ai vu celle-là au Dolo. Puis c'est comme en plastique, là, fait que ça se vend séparément par contre, là, mais j'en ai acheté 2. Il y avait du rouge, je pense, puis du bleu. Mais j'aimais bien les grises. Elles sont 4,50 quand même, là, chaque. Mais c'est ça, je pense que ça va me toffer un petit peu plus longtemps que celle en tissu. Sinon, mais j'avais vu ces petites pailles-là. Je pense que dans un TikTok, c'est des pailles réutilisables avec la petite brosse aussi. T'en as deux droites, puis deux comme courbées. Fait que t'as 4 pailles au total. Je pense que vous allez bien voir, comme ça ici. Je trouvais ça vraiment cool là, pour un petit café glacé cet été. Une petite limonade, là, me semble que ça va être le fun. Ensuite, toujours dans les trucs de cuisine, j'ai vu des plaques de découpe antidérapante. Donc, flexible, résiste aux taches, résiste aux odeurs. C'est 4$ pour 4 plaques comme ça ici. Fait que je me suis dit que ça pourrait être le fun là, pour... parce que j'ai 2 belles plaques en bois que j'utilise pour les légumes de Ricardo. Je les aime vraiment beaucoup. Mais ma plaque que j'utilise pour la viande, elle s'en vient moins belle. Puis, il y a comme des espèces d'embouts là, qu'on met dans les 4 coins justement pour que ce soit antidérapant. Puis, ça vient sale. On a beau les enlever puis nettoyer en dessous, ça me gosse. Fait que... j'ai vu ceux-là, puis je me suis dit, ben, tu sais, ça me semble que ça va être facile à utiliser, facile à nettoyer. Puis ça coûte juste 4$, là, fait qu'au pire, je pense que ça va être quand même pas pire. Ensuite, j'ai vu quand même des nouveaux bonbons au de l'eau. Il me semble que ça fait des années que c'est tout le temps les mêmes. Puis là, j'ai vu qu'il y avait les Nerds, ça s'appelle Gros Moelleux. C'est coquille croquante à l'extérieur, tendre et moelleux à l'intérieur. Puis j'en avais acheté aux États-Unis, puis il était super bon. Il y avait d'autres sortes aussi de Nerds aux États-Unis qu'on n'a pas ici, fait que j'espérais les retrouver au de l'eau. Mais j'ai vu du monde qui ont dit qu'ils en ont trouvé au Walmart, fait que je vais aller voir peut-être une autre fois. Mais au de l'eau, il y avait celui-ci. Donc,
c'est ça, c'est comme un extérieur croustillant, un intérieur mou. C'est des tout petits paquets par contre. Je pense que c'était comme 1,75$, c'est que j'en ai pris deux paquets. Ensuite, c'est rare que je fais toutes les allées, puis l'allée par exemple de style beauté, là c'est rare que j'y vais. Regardez qu'est-ce qu'il y a, mais j'ai vu ces élastiques-là, genre de petits chouchous, là, pour 1,25$ pour deux. Fait que t'en as un qui est une couleur pleine, comme ça ici, fait qu'un petit orange un peu fluo, puis l'autre, c'est avec des genres de petites clémentines, puis des petites fleurs dessus, j'ai trouvé super belle, puis j'aime ça, ben, des fois attacher juste comme le dessus de mes cheveux, quand j'ai chaud, quand je travaille, ou même attacher au complet, là, quand maintenant mes cheveux sont aux épaules. Je trouve ça vraiment pratique, là, surtout l'été. Il y avait un modèle aussi vert flash là, que j'ai pas pris, mais qui était mignon aussi. J'ai pris le rose comme ça ici. Et je trouvais que pour ce prix-là, j'ai trouvé vraiment cute. Puis ils ont l'air quand même, je pense qu'ils vont être quand même pas pires. Puis j'ai pris aussi les bleus comme ça. Je trouvais super mignonne aussi. Fait que je pense que ça va être quand même pratique là, pour cet été. J'ai quasiment terminé. J'aime toujours ça, me prendre un peu d'avance pour la fête à Simon. Donc sa fête, c'est juste au mois de juillet. Mais j'aime ça tranquillement là, acheter ma déco. J'aime ça penser à mes couleurs. Là. J'achète des décos qui vont aller ensemble. Puis il y a des petits trucs pour décorer ben, la maison. Puis aussi le gâteau. Les trucs que je vais faire là, pour le dessert et tout. Donc c'est ça. J'aime ça même pour ces cadeaux aussi, me prendre un peu d'avance. Fait que ça, je regarde au dolo parce que ça revient pas cher là, tu sais, pour un truc vraiment fun. Fait que j'ai pris une petite guirlande comme ça, jaune flash. Donc ça ressemble à ça ici, la guirlande, là. Elle est pas bleue. Mais c'est ça, j'avais acheté des trucs, je pense que je vous en avais parlé au Michael's. J'ai acheté comme des ballons, puis des chandelles, puis des petits bonbons aussi pour décorer, style un gâteau de fête. J'ai tout pris ça dans les couleurs comme orange, jaune. Je pense qu'il y avait un petit peu de rose là, tu sais, des couleurs quand même flash pour l'été là, je trouvais que c'était vraiment cute. D'habitude je fais plus comme dans le bleu, dans le vert là, mais ça va faire différent. J'ai vu des genres de petites décorations comme ça ici en papier. Il y avait comme trois couleurs différentes, puis je trouve que c'est vraiment c'est quand même cool là, comme déco au Dollarama là, c'est 1,50$, puis t'en as quatre différents. Donc j'ai pris celle-là là, dans les teintes de rose, rouge, orange, là, ça va aller avec mes couleurs. Fait que j'ai pris deux paquets, mais c'est ça, il y avait, j'arrête pas de jouer avec le focus de la caméra, il y avait un autre paquet que c'était comme toutes des teintes de bleu puis de vert que je trouvais vraiment mignon. Puis l'autre, je me souviens plus c'était quoi, je pense que c'était comme c'est un jaune puis un vert, ou en tout cas, il y avait comme une autre teinte aussi là. Et dernier achat, vraiment random, dans un bout d'allée, il y avait des genres de Crocs, là, imitations, là, j'ai essayé, mais je trouvais pas ça super confortable, je sais pas, je les aimais pas vraiment, mais j'ai vu ces petites gougounes-là, que je trouvais vraiment mignonnes, donc sont blanches, avec la partie ici sur le pied, là, qui est de différentes couleurs, puis, ben, tu sais, c'est sûr que ça sera pas là, l'énorme confort, là, on s'entend. Il était 4,75$, mais j'ai trouvé vraiment cute. Puis mes gougounes que j'ai là, depuis quelques années, je sais pas pourquoi, elles sont rendues comme serrées, puis ils me font plus vraiment bien. Fait que ce genre de petites gougounes là, que j'aime ça apporter à la plage ou sur le bord de la piscine, là, ça me dérange pas qu'ils soient mouillés, qu'ils soient tachés. J'ai trouvé vraiment mignonne, puis ils me faisaient bien. Fait que c'est ça, un petit achat pour l'été. Donc c'est tout pour mes belles trouvailles au dolo. Je suis full contente d'être allée. Honnêtement, ça faisait longtemps que je suis allée, puis j'aime ça prendre mon temps, faire toutes les allées. Des fois. Je sais pas, je pense que j'ai juste besoin de telle affaire, je vais aller dans telle allée, puis c'est bien correct, mais là j'avais un petit peu plus de temps, puis j'avais le goût de regarder un peu les nouveautés, les trucs que j'avais pas vus les dernières fois, puis j'ai fait des belles trouvailles, fait que je suis bien contente. Là je pense qu'il est rendu 4h20, fait que je vais ranger ça tranquillement, je pense que je vais me relaxer un peu, peut-être me prendre une petite bière là, qu'on a achetée hier au Costco, là, les petites bières légères, puis tantôt on va faire le tartare de saumon. J'ai full hâte d'essayer la recette honnêtement avec le petit cornichon sucré, les oignons frits, je pense que ça va être vraiment bon, les épices à steak, ça va être différent. Donc c'est ça, on va se relaxer ce soir, puis je pense que ça va être le fun.
Je vais conclure le vlog ici. J'espère que vous avez aimé ce petit vlog avec beaucoup de haul Costco, haul Dollarama. J'ai fait des belles découvertes, puis j'étais contente de partager ça avec vous. Je vous mets en barre d'infos les chaînes YouTube que je vous ai parlé. Si jamais vous cherchez des nouvelles personnes, peut-être que vous les connaissez, mais peut-être que non aussi. Là, moi, j'aime beaucoup les écouter, donc je vais vous les mettre en barre d'infos. Puis je voulais aussi vous parler rapidement du tartare de saumon. Donc, de la recette de 3 fois par jour. Je vous la mets en barre d'infos aussi. Honnêtement, on a trouvé que c'était très, très, très salé. C'est sûr que moi, j'avais acheté un paquet de saumon qui était un petit peu plus petit. Donc, elle, je pense qu'elle utilisait comme 300 grammes. Puis moi, c'était plus petit que ça, que ma quantité de saumon. Donc, juste là, j'aurais dû penser à adapter comme les autres ingrédients, tu sais, à réduire un petit peu. Donc ça, c'était ma première erreur que j'ai pas faite. Je me suis dit, ça sera pas plus grave. Puis ma deuxième erreur aussi, ben je pense que j'aurais dû goûter au fur et à mesure. Donc si vous faites la recette, allez-y vraiment comme une demi-cuillère à la fois là, pour les épices à steak, pour goûter au fur et à mesure, puis arrêter quand vous l'aimez. C'est sûr que juste en utilisant la bonne quantité de saumon, ça aurait sûrement fait une bonne différence. Mais honnêtement, juste avec les oignons frits plus les épices à steak, c'est sûr que ça allait être salé. Puis, je pense qu'il y a quasiment 3 cuillères à thé d'épices à steak. Donc, c'est... En tout cas, on a trouvé que c'était beaucoup trop salé. Puis, on trouvait aussi que ça goûtait pas beaucoup le sucré, tu sais, parce qu'il y a quand même des cornichons sucrés, mais il y a aussi du sirop d'érable. Donc, je m'attendais à un petit goût un petit peu sucré. Fait que c'est ça, on goûtait juste le salé. Je pense que je referais la recette, mais j'irais vraiment au goût en ajoutant les ingrédients un petit peu à la fois pour voir qu'est-ce que ça donne, puis arrêter quand je trouve qu'il y a assez de sel. Puis comme ça, on aurait une meilleure balance avec le sucré aussi. Donc, je vous conseille la recette, mais c'est ça, allez-y tranquillement là, pour le sel. Puis je pense que ça va être vraiment bon. Donc, je vous dis un gros merci d'avoir écouté la vidéo, puis on se revoit la semaine prochaine.